Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à identifier la composée de deux fonctions. Ici, on nous donne une fonction f, qui est définie par f de x égale 1 sur x au carré. En réalité, cette fonction, elle est composée de deux fonctions. Deux fonctions, d'ailleurs, qui sont connues, qui sont même des fonctions de référence. Et il y en a une qu'on ne peut pas cacher, qui crève les yeux, c'est la fonction carré. On voit bien ici, au dénominateur, qu'on trouve la fonction x au carré. Mais cette fonction n'est pas seule. En réalité, elle est composée à l'intérieur d'une autre fonction. Car on n'a pas la fonction carré, comme ça, écrite tout simplement, f de x égale x au carré. On a f de x égale à 1 sur x au carré. Autrement dit, la fonction carré est en bas au dénominateur. On l'a inversée, ce qui signifie qu'on a là également une deuxième fonction que l'on reconnaît, c'est la fonction inverse. En réalité, ici, on a composé deux fonctions, la fonction carré et la fonction inverse. On va déjà le noter. Alors voilà, on, on a utilisé des couleurs ici parce qu'on va voir que ce n'est pas évident de quelle manière la fonction carré et la fonction inverse sont imbriquées l'une dans l'autre. Euh, donc on va garder pour toute la question euh, tout ce qui est en rapport avec la fonction carré en rouge et ce qui est en rapport avec la fonction inverse en vert. Maintenant, on va recopier l'expression de la fonction f, f de x, mais en utilisant euh, ces couleurs pour bien comprendre la structure de cette expression qui définit f. Alors, f de x, au départ, on voit la fonction inverse. Je vais écrire quelque chose, mais qui n'est pas tout à fait juste. Dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait Au dénominateur, on imbrique la fonction carrée, ce qui veut dire qu'on a f de x égale... 1 sur x au carré, c'est bien ce qui définit notre fonction f. Alors on va donner des noms maintenant à nos deux fonctions. La fonction carré, on va l'appeler u, donc on pose u de x égale à x au carré. Et la fonction inverse, on va l'appeler v, donc on pose v de x égale 1 sur x, c'est bien l'expression de la fonction inverse. Ce qui signifie que dans l'expression de f, là on reconnaît du 1 sur U de, x. U de x, donc qui correspond à notre fonction carré. Et bien là, en réalité, on est en train de faire quelque chose qui s'appelle composer U par V. On compose la fonction carré par la fonction inverse. C'est-à-dire, je prends ici ma fonction inverse, V de x, et je remplace ce x par x au carré, c'est-à-dire par u de x, je mets dans l'expression de la fonction v, la fonction u. C'est là l'idée de la composition. Alors si je fais cette manipulation, cela veut bien dire que, ici, à la fonction v, qu'est-ce que je fais À la place de x, je mets x au carré, c'est-à-dire qu'à la place de x ici, je mets u de x. Donc, ici, dans v... Je lui donne u de x. Je suis donc en train d'écrire l'expression v de u de x. Et c'est ça la composition de fonctions. J'ai la composée u par v. On a donc identifié les deux fonctions qui composent notre fonction f. Ce sont les fonctions u de x égale x au carré et v de x égale 1 sur x. On le montre ici. En écrivant sous la forme V de U de X. C'est bien ça qui définit une fonction composée. On appelle fonction composée de U par V. La fonction qui est notée, alors on va le voir tout de suite, V rond U, et qui est définie par V rond U de X égale V de U de X. Alors ce petit rond, ce V rond U, c'est juste une notation. C'est exactement la même chose d'écrire V de U de X que d'écrire V rond U de X. Voilà, il ne faut rien voir de compliqué là-dedans, c'est juste une notation, d'ailleurs on pourrait presque s'arrêter à la ligne d'avant, c'est strictement la même chose. Alors, euh, pour s'assurer que tu as bien compris, je te propose un, un deuxième exemple euh, qui est le suivant. On nous demande maintenant eh d'identifier de la même manière les deux fonctions qui composent la fonction f, mais cette nouvelle fonction f est définie par x au cube sur x au cube plus 1. On va faire un peu de place, disons, on va préparer la solution de ce deuxième exemple. Alors, on reconnaît la fonction quelque chose et la fonction autre chose. Il y en a une déjà qu'on reconnaît assez facilement, c'est la fonction cube. On trouve du x au cube au numérateur et du x au cube au dénominateur. Donc, sans risque, on peut dire qu'on reconnaît la fonction cube. La deuxième fonction, par contre, euh, on ne la reconnaît pas aussi facilement. Mais ce n'est pas grave. On va y aller pas à pas et tu vas voir qu'elle va être assez simple à identifier. En tout cas, si on a reconnu la fonction cube, on, on peut donc poser U de X égale X au cube. Alors du coup, si je recopie euh, l'expression de ma fonction f, en tenant compte que j'ai reconnu X au cube, je peux mettre X au cube en rouge. Et ici également. Et pour le reste, eh c'est euh, la deuxième fonction, celle qu'on n'a pas encore identifiée. Donc, je vais simplement écrire plus 1 ici, et donc la barre de fraction. Alors, la, la fonction v de x, elle est là, écrite en vert. Mais le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas clairement. Pourquoi Parce qu'on a déjà composé l'une par l'autre. Alors, quelle est cette autre fonction eh Bien, si on s'en réfère à ce qu'on avait dit tout à l'heure, tout à l'heure, on avait simplement pris x et on avait remplacé par x au carré. Bien, pour identifier la deuxième fonction, la fonction v, il faudrait faire le chemin inverse. Alors ici, ce n'est pas x au carré, c'est x au cube, mais enlever x au cube et mettre x à la place. Alors si je fais ça, eh bien, euh, ça veut dire qu'ici, au numérateur, j'aurai x, et au dénominateur, j'aurai x plus 1. Effectivement, si je compose la fonction u par la fonction v, je vais donc ici remplacer le x par x au cube, j'aurai x au cube au numérateur, et je vais remplacer ici ce x également par x au cube, j'aurai x au cube plus 1 au dénominateur. Donc ça fonctionne bien. La deuxième fonction, c'est la fonction qui a x associé, x sur x plus 1. Bien, alors à partir de là, on va faire comme tout à l'heure, on va bien faire apparaître la composée de ces deux fonctions, la composée de la fonction u par la fonction v. Donc au numérateur, je retrouve u de x tout seul. Donc, j'écris u de x, que je trouve également au dénominateur. Et la fonction v, la fonction v qui structure donc toute l'expression de ma fonction f, donc la barre de fraction plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait ici On est parti de la fonction v et on a composé ici avec u. Donc, j'ai remplacé x par u de x. On peut donc mettre un symbole égal, bien évidemment. Entre les deux lignes. Bon, bon on a fait quoi On a fait en réalité v rond u de x. Voilà, donc ici, à la question, identifier les deux fonctions qui euh, composent notre fonction f, eh bien, ce sont euh, les fonctions, donc la fonction u de x qui est la fonction cube et la fonction v de x qui porte pas de nom particulier, ce n'est pas une fonction de référence, la fonction v qui s'écrit v de x égale x sur x plus 1 et cette séquence est terminée.